Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne et j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo sur la programmation Arduino, nous allons donc apprendre comment ajouter un clavier au niveau de l'Arduino, notamment une matrice de boutons pour soi que nous allons donc utiliser comme clavier au niveau de notre Arduino. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Et pour ceux qui sont abonnés, en tout cas un grand merci à vous. Continuez toujours à partager la chaîne pour une plus large diffusion. Alors, comme je le disais, on va donc apprendre comment ajouter à l'Arduino un clavier. Donc, le clavier que nous allons utiliser ici, c'est constitué donc des boutons pour soi. Donc, à l'image des vidéos qu'on a eu à voir précédemment, notamment sur la matrice ALET, alors ce que nous avons donc en face de nous, que nous allons donc utiliser comme clavier, est aussi une matrice de boutons pour soi. Donc, le principe de codage est presque pareil. Sauf qu'ici, on va maintenant l'utiliser comme étant des entrées. Par contre, lorsqu'on avait eu à utiliser des matrices à LED, on les avait utilisées comme des sorties. Alors, je ne vais vraiment pas aller dans les moindres détails. Je ferai une autre vidéo où je vais vraiment expliquer dans les moindres détails ainsi que vous partager le code source. Sinon, le but de cette vidéo, c'est simplement vous montrer le rendu de mon programme. Alors, voyons un peu en quoi consiste donc ce programme. Alors, ici, on a donc notre clavier ici. Donc, le taille 4x4, on a donc 16 boutons. Donc, voilà donc ce qu'on va donc faire. Donc, lorsqu'on appuie par exemple sur ce bouton à ce niveau, donc le premier bouton qui se trouve à l'indice 0,0, on peut donc afficher soit 1, A ou B. Donc, en quelque sorte, le programme va donc constituer à afficher l'alphabet, donc de A jusqu'à W, et aussi les chiffres de 1 jusqu'à 0. Et on a aussi des options comme par exemple supprimer, entrer pour aller à la ligne en quelque sorte, on peut basculer entre la première ligne et la deuxième colonne. Donc, vu l'écran que nous avons utilisé, un écran I2C, sur cette image, c'est un écran I2C de taille 16x2, donc on a 16 colonnes et 2 lignes. Alors, le bouton Entrée ici va donc nous permettre de passer soit sur la première ligne ou sur la deuxième ligne. Et espacer ici, sur le caractère, va donc nous permettre d'espacer les caractères. Et enfin, ce dernier bouton, Mode, va donc nous permettre de soit afficher l'alphabet ou encore les chiffres. Donc voilà un peu en quoi va consister notre programme. Donc à partir de cela, on pourra donc écrire ce que bon nous semble. On va donc regarder l'extrait de cette vidéo et espérons vous voir très prochainement. On se donne rendez-vous à la prochaine.